Salut à tous et à toutes, bonne arrivée à cette nouvelle sortie de Écho des Arts. Nous allons aujourd'hui revenir sur la première édition du Salon du Livre de Port-au-Prince qui s'est déroulée les 21 et 22 avril dernier en marge à la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée le 23 avril. Nous allons également revenir sur la vente-signature des contes de Charlot Lucien déroulée à la bibliothèque Michel Tardieu le 20 avril 2018. Ces points et d'autres seront développés après la pause. Restez branchés. Votre chaîne préférée Télépacifique est désormais dans le bouquet Canal+. Ne la ratez pas, c'est la chaîne 145. De retour pour le développement des titres, ce 23 avril ramène la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. En marge de cette date importante pour le secteur littéraire, la mairie de Port-au-Prince, en collaboration avec la Direction nationale du livre DNL, a organisé les 21 et 22 avril dernier la première édition du Salon du livre de Port-au-Prince. Nous vous proposons donc un dossier à ce sujet. Depuis 1995, la date du 23 avril a été consacrée Journée mondiale du livre et du droit d'auteur par l'UNESCO. Dès lors, chaque année, dans différents pays, des activités littéraires sont réalisées pour marquer cette date. Chez nous en Haïti, certaines écoles, le Bureau haïtien du droit d'auteur BHDA, la Bibliothèque nationale d'Haïti, la Direction nationale du livre DNL et tant d'autres instances du secteur littéraire ont pris l'habitude de marquer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur à leur façon. Cette année, la plus grande activité relative à cette journée est réalisée par la mairie de Port-au-Prince en collaboration avec la Direction nationale du livre DNL. Il s'agit d'un salon du livre qui a eu lieu au Champ de Mars les 21 et 22 avril dernier. Revenons sur cette initiative avec Roxane Ledan, responsable des affaires culturelles de la mairie de Port-au-Prince. L'invité d'honneur de cette première édition du Salon du Livre de Port-au-Prince a été l'écrivaine Suzy Castor. Les organisateurs ont fait le choix de cette dernière pour plusieurs raisons. Thank you.
Selon l'avis de certains participants et acteurs à l'événement, notamment Gérard Maritardieu, éditeur à la maison d'édition Copivite, le Salon du Livre de Port-au-Prince a été une réussite. Gérard Maritardieu croit que ce type d'initiative sont d'une importance capitale pour l'épanouissement des jeunes. Cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur a été l'occasion pour bon nombre d'acteurs du secteur littéraire d'évaluer leurs travaux au sein de ces 10 secteurs. Le conteur Charlot Lucien a signé le vendredi 20 avril les contes Tioma et Diogène et Negmaon. Cette vente signature a eu lieu à la bibliothèque Michel Tardieu à Pétionville. Marie-Galène Gédéus et Joseph-Philippe François nous proposent un reportage. Le vendredi 20 avril 2018 à la bibliothèque Michel Tardieu, le conteur haïtien Charlot Lucien a signé ses CD Tioma et Diogène Negmaon, deux contes puisés de la réalité haïtienne. Allons à la rencontre du personnage et prenons connaissance du contenu de ses œuvres. Au cours de cette soirée d'audience et de conte, Charlot Lucien a su capter l'attention de son public entre le sérieux et l'humour. Quand nous sommes parlé, nous avons dit bloc. Je dis, mais pour ça, c'est pas pas, mais qui n'a une arguette, n'a doit monter là. Donc c'est comme ça, me virer pour moi, Barzol, qui apparaît avec deux créatures extraordinaires, qui a monté Pierrot. Yona Dani. Léon Dijon, couleur variée, c'est-à-dire on parlait de peintre qui n'est pas bien défini. C'est Barzol qui prend la prendre, moins que Dame ça a censé du grain avec du crème que la vie prend pour le gavini à la mode qui va aller toute belle couleur. Ça. Deuxième, dans lui-même, la montée escalier, mais alors dans un état de déséquilibre instable. Pour qui ça? En bas, chaque pied, il y a une série de talons qui quittent. Yo, chaque fois qu'on a dit si la tour est Eiffel, il met en bas, il est tête en bas, tellement ça va. Les contes de Charlot traduisent une conservation de l'identité culturelle haïtienne et cherchent à créer un lien entre les générations passées et présentes.
auteur de 5 CD de contes à succès, dans une lignée similaire à celle de Maurice Sixto, Lucien Charlot fait déjà partie du cercle fermé des grands conteurs haïtiens. Ami du conteur et invité de la soirée, le professeur Étienne Ottilien a fait le point sur la différence entre l'audience et le conte. L'audience, c'est une manière, je peux dire, c'est l'identité narrative haïtienne. Donc c'est la manière typique du haïtien de raconter sa vie, ses histoires et sa manière de voir les choses. Il y a également de la mémoire collective qui est transmise à travers l'audience haïtienne. Par exemple, si vous prenez certaines audiences, par exemple, il y a les fortunes d'Élie Lescot de Maurice Sixto. Donc il va raconter comment Élie Lescot a accédé au pouvoir. Il y a également les fortunes du président du Marseille estimé également. Donc ça part de la manière d'arriver au pouvoir du Marseille estimé. Donc voilà, ça transmet un petit peu la mémoire collective haïtienne. Ça peut transmettre également la mémoire collective d'une communauté. Par exemple, ceux qui sont de la province ou du moins d'une campagne. Et par exemple, ils vont raconter les histoires, les petites histoires qui sont passées il y a un certain moment dans le quartier ou du moins dans le bourg, etc. ou dans les faubourgs, etc. Jean-Jacques Lade parlait de petites histoires sociales, l'audience raconte la petite histoire sociale, politique, etc., etc. Mais la différence qu'il y a avec le conte, c'est que le conte, en général, il y a une question de temporalité. Le temps du conte, ou du moins la temporalité du conte, c'est un temps perdu. On ne peut pas se repérer dans le temps avec le conte. Il y a toujours des temps immémoriaux, on se rappelle de rien. C'est la fin de cette sortie de Écho des Arts. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de sa programmation.